Salut à tous, on fait le petit point sur le Bitcoin vu le mouvement d'hier dans ce que je vous mettais hier après-midi sur le Discord. C'était attention, alerte, Bitcoin casse sa trendline. D'ailleurs, c'est pas celle-là, sa trendline RSI. Ok, ici là, et après, bon, ben voilà, il a pump comme ça. Qu'est-ce que ça change alors? Ah, je suis désolé, j'ai un petit problème de clavier avec mon super clavier QWERTZ de Suisse alémanique, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que Bitcoin nous tronque la correction? Donc, je vous rappelle que le point pivot qui doit être cassé pour déclencher le mouvement correctif qui nous permettrait d'atteindre la zone des 8000, 7000, 4000 éventuellement, donc une zone assez large. Ce point pivot, c'est lui, hein. D'accord. On va le mettre comme ça. Par point pivot, je ne veux pas dire les pivots. Tu avais l'indicateur point pivot, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont déjà demandé. Donc, voilà. C'est ce point-là, c'est cette ligne-là qu'il faut casser. Chose que nous n'avons pas fait. Hein. Okay? Donc, tout scénario avant était de l'anticipation de la cassure de ça. Et chaque fois qu'on anticipe, bah, il faut être prêt, il faut être malléable, si vous voulez. Est-ce qu'il faut annuler le scénario baissier? Là, je ne suis pas du tout, mais alors du tout convaincu. En gros, si on considère que cette trendline est cassée, va les casser d'ailleurs, et que ce mouvement-là est fini, il faut appeler lui. Enfin, il faut, on ne peut pas appeler Y ici, on n'a jamais cassé ça, et dans ce cas-là, il faut revoir la même, il faut revoir le compte. C'est-à-dire que la correction est potentiellement terminée ici, mais j'y crois pas non plus. Juste la structure globale qui me fait dire que ça, c'était toujours cette montée en 3, un mouvement qui est correctif. Donc, la possibilité. Alors, je ne vais pas le modifier tout le compte pour vous montrer, mais. C'est qu'en effet, W ici, que ce soit bon, sauf que X, là, il est ici. Ok, et qu'en fait, X, il correspond à W, X, et un Y qu'on ferait comme ça. Ok, et on voit que la projection 1, 1.236, qui est quand même le plus classique, ne casse toujours pas le pivot haussier. D'accord? Je vous parle du daily, là, hein, c'est des points à casser pour retrouver une tendance daily. Alors bien sûr, hein, on n'attend pas forcément la cassure de ces points-là, car on ne traite pas le daily en lui-même, mais c'est important à savoir. Et que du coup, le Y, ben, il faut recalculer X, Y, enfin W, X, et recalculer où nous amène Y, et ça doit nous amener, à mon avis, pas très loin de la zone du gap des 8500. Ben voilà, vous voyez 8125, donc ça nous ramène toujours, peu importe le type de correction qu'on fait, on revient toujours vers cette zone ici. Ok. Alors ça, hop, je l'enlève. Ça aussi. Ok. Donc ça, vous avez compris, ça reste une possibilité. Donc même si là on fait un joli bull run, l'arrivée dans cette zone-là, si on a bien évidemment une structure en 3 identifiable et que les extensions des sous-vagues concordent avec ce cycle ici, dans ce cas-là, pour moi, je retenterai des ventes, surtout que ce sera très facile de positionner le stop-loss. Mais on n'en est pas là. Quelle est la différence entre ce mouvement-là, qui a tronqué, hein, je vous rappelle, il s'est arrêté à 0,618. Moi, j'appelle ça une troncature. Hein. Même la target classique d'un W, c'est 0,618, 1 ou 1.236. Donc, ce n'est pas une exception, mais c'est vrai que d'habitude, ça va au moins jusqu'à 1. Quelle est la différence entre ça et ce mouvement ici? Donc, ce point-là, ce point ici, il cassait ce plus bas. Ce point ici, il casse ce plus bas. Ok? Et à chaque fois, on a cassé la trend RSI juste après. Si vous regardez, la trend RSI ici, hop, voilà, on l'avait cassée. Et là, on a fait la même chose. La différence, c'est le RSI, justement. Ce point ici,
il a fait un plus bas au niveau du RSI si je compare à celui-là. Ce point ici, donc le dernier plus bas, ne fait pas de plus bas par rapport au RSI si je compare à celui-là. Et ça, quand il y a ça, ça doit alerter un tout petit peu. Alors, je sais que vous allez dire divergence. Je suis d'accord, stricto sensu, c'est une divergence. Après, quand on utilise les hot waves, une divergence est dans une impulsion. Je ne dis pas que le RSI ne peut pas avoir cet aspect de divergence ailleurs, hein, c'est pas vrai, mais la divergence elle-même, c'est dans une impulsion, et ça, pour moi, ça n'est plus une impulsion. Ça a une structure. Cette zone-là, elle fait extrêmement en 3. Hein. Regardez. 1, 2, 3. Ok, ça fait vraiment, puis on voit bien sur le RSI. 1, 2, 3. Et à l'intérieur, par contre, de ce cycle, là, 1, 2, 3, vous voyez bien que le RSI fait 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on fait un plus bas sur le RSI sur la troisième vague. Donc, voir 1, 2, 3, 4, 5 ici sur la descente, moi, ça me semble. Même si on pourrait dire que le 4 est un triangle, ça, je suis OK avec ça. Et que la sortie du triangle est en 5. Ouais, ce serait possible. Ça fait une vague 4 qui est très longue. Celle-là, elle est en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le 1h, oui, celle-là, elle. Oh. Sur le 15 minutes. Oui, sur le 15 minutes, on diverge bien. Bon, ça reste une possibilité. Après, dire que du coup, cette descente est en 5, c'est qu'on ferait un flat. Oui, on ferait un flat ici encore. Mais ça nous ferait deux flats à la suite. On a fait ce flat ici. Et un flat ici. Ouais. Bon. Ouais, pourquoi pas. Ouais, non, bon, c'est possible, mais je la trouve vraiment moche. Disons que je trouve l'enchaînement pas très joli. Si on va sur le daily, il n'y a pas de divergence RSI. Si on va sur le H8, bon, sur le H8, il y a toujours la divergence. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on avait dit que celle-là, là, ici, hein, la première vague a été difficile à compter en 5. Donc pourquoi pas, hein. Moi, je fais pas un combat d'ego. Si j'ai tort, j'ai tort, hein, ça me pose pas de problème. Donc, il serait complètement, à mon avis, non constructif de s'acharner à dire que c'est forcément baissier. Okay, donc, il y a forcément une possibilité haussière. Est-ce que je rachète maintenant? Non, je rachète pas à peur et un pump comme ça, même si je pense qu'on va continuer. On est dans une extension, hein. Quand vous regardez comment on s'étend là, ça c'est une vague 3. Vous voyez, il n'y a pas de divergence qui apparaît. Là, on a fait une petite divergence hier, mais qui doit être juste la première qu'on va effacer. Hein. Qu'on va effacer. Mon scénario favori pour le moment, et qui je pense est appuyé par le compte sur les altcoins, je vous montre. Sur les altcoins, 1, 2, 3. Alors, on peut toujours dire, on fait un nest, c'est-à-dire on fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Bon, ben, si c'est ça, on le verra venir. Et dans ce cas-là, je changerai sans souci d'avis. Mais pour le moment, moi je vois 1, 2, 3, correction, et une troisième vague. Donc à suivre. Ce qui est tout à fait possible, comme le RSI n'a pas fait de plus bas sur cette cassure ici, c'est qu'on soit dans un flat. C'est-à-dire qu'on ait fait une correction en 3, une recorrection en 3 pour la deuxième partie du flat, et que la dernière vague soit en 5. Ce qui nous ramènerait probablement à un testing de la trendline baissière du canal. Et donc ma stratégie sur les semaines à venir va être assez simple. Mes ventes à 10 800 vont probablement sauter. J'ai mis le stop loss sur entrée. J'ai très peu de doute sur le fait que je vais me faire reprendre. C'est pas grave. C'est le jeu. Je ne visais pas une target ici. Hein. J'avais un TP partiel, mais je visais beaucoup plus bas. Donc si le scénario s'invalide, il s'invalide. On passe à autre chose. Comme je vous ai dit, hein, celui qui vend des résistances et celui qui achète des supports, ils ont raison tous les deux. Ils achètent et ils vendent des zones de réaction de prix qui leur permettent de protéger leur capital. Après, celui qui est dans le bon sens va ramasser les gains, l'autre sera break-even. Voilà. Il n'y a pas de ceux qui sont short
Ici sont des débiles, ou ceux qui sont longs ici sont des débiles. Non, celui qui a short ici, il a bien joué, celui qui a long ici, il a bien joué. Il n'y a aucun souci. Les deux ont raison, il y en a un qui va par contre ramasser plus que l'autre. C'est tout. Celui qui a tradé ici, là, au milieu de rien, sans avoir identifié de structure claire et tout, ça je suis d'accord, lui il n'a rien compris. Si vous avez identifié une structure claire, on revient exactement à la même chose sur une unité de temps plus petite. Hein, vous avez vendu une résistance ou acheté un support sur une unité de temps inférieure, il n'y a pas de souci. Donc moi je pense qu'on va continuer de monter ici. Et en tout cas, si on arrive avec une divergence mature sur cette zone ici, là, dans cette région-là, avec un signal vendeur, sans souci, je le vends. Je le vendrai avec target 8100, d'accord? Par contre, je me hedgerai, c'est-à-dire que si on arrive divergent ici et qu'on se met à corriger en 3, je rachèterai la correction en 3 sur un autre compte. Pour être hedgé, c'est-à-dire que si on part en fait dans un nouveau mouvement haussier, je serai dedans. Si on part dans un mouvement baissier, je serai dedans aussi. Ok? Et juste la première partie des gains sera amputée par le stop loss de l'autre, mais ça sera largement compensé par le reste du mouvement. Donc ma stratégie va rester celle-là. Je reste neutre baissier sur le Bitcoin, c'est-à-dire je pense qu'on doit aller plus bas. Mais comme je vous dis, hein, je regarde surtout ce que dit le graphe. Et pour moi, là, le graphe, il peut nous offrir un flat sans souci. Surtout que si vous faites ça, voyez qu'on passe pas 123. On passe pas 123% d'extension. Voilà. Si on fait ça, même si on fait ça. On le passe à peine. Donc, moi, je reste sur ce scénario-là tout à fait possible. Sur les altcoins, ben, c'est pareil. Hein, alors, et ce qui va bien avec aussi, enfin bien avec, ce qui est compatible avec, c'est la cassure de la trendline avec un nouveau plus haut RSI quasiment immédiat. Okay, là, vous voyez, quand on avait cassé ce bottom ici, là, on avait du temps avant de retrouver un plus haut RSI. Hein. Alors que là, pas du tout. Là, directement, on a fait ça et puis on est directement allé casser les plus hauts. Donc un sentiment extrêmement haussier, très brutal, qui, à mon avis, va très bien avec la possibilité du flat. Voilà, je ne fais pas plus long et je vous souhaite à tous une bonne journée.